Salut les amis, je vous parle aujourd'hui de fidélité dans le couple. Je précise bien dans le couple parce que la fidélité peut concerner plusieurs domaines. On peut être fidèle à une amitié. J'ai des amis envers qui je suis vraiment fidèle et qui sont véritablement fidèles envers moi depuis de très nombreuses années. On peut être fidèle à des principes de vie, à des valeurs que l'on a choisies. On peut également être fidèle dans ce que l'on dit de ce qui a été passé. Donc par exemple, le fait de retransmettre fidèlement une information que l'on a reçue. Mais nous allons parler surtout de fidélité dans le couple. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de couples se séparent parce qu'une des personnes est allée voir ailleurs. La fidélité pour moi dans le couple, en fait, c'est la cerise sur le gâteau pour moi. Parce que la fidélité, pour moi, la véritable fidélité pour aller justement dans la profondeur de celle-ci n'est pas liée à une personne. On n'est pas fidèle juste à une personne et puis infidèle par rapport à tous les autres domaines de sa vie. Une personne véritablement fidèle, c'est quelqu'un qui est fidèle aux valeurs qu'il a choisi d'incarner dans sa vie. Par exemple, connaissant les lois universelles qui régissent toutes choses, ayant choisi de m'y insérer, je suis fidèle au principe selon lequel il ne faut jamais agir pour nuire à une autre créature humaine. Je suis fidèle en l'honnêteté, en le fait que lorsque je sais que je ne veux plus suivre une certaine direction, je dois le dire clairement et l'exprimer clairement. Fidèle en le fait que lorsque j'ai pris un engagement, je m'y tiens vraiment et que cet engagement est quelque chose de vraiment très important pour moi. Fidèle dans le fait que je sais que chaque action que je pose envers une autre personne, je la pose envers moi-même. Ça, c'est ma perception et ma conscience des choses. Donc, c'est une vision beaucoup plus globale qui en fait fait que la personne qui m'accompagne entre vraiment dans ce cadre. C'est-à-dire que c'est une fidélité qui a été bâtie avec les années, bâtie avec mes convictions, bâtie avec ce que j'ai compris de ce que la vie pouvait m'enseigner, bâtie avec ce que j'ai choisi de vivre et de suivre comme ligne directrice dans ma vie. Donc fidèle à l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de moi-même un jour d'être et d'incarner des valeurs précises qui me portent. Alors, m'appuyant sur ces valeurs-là, le choix de ma partenaire, le moment venu, se base également là-dessus parce que je veux une personne dans ma vie qui comprenne ce qui compte vraiment pour moi, qui sache que je ne marchanderai pas ces valeurs-là juste pour lui faire plaisir et qui ait exactement les mêmes valeurs, voire même des valeurs élevées ou équivalentes dans sa vie et qui soit prête à ne pas permettre à ce que je puisse bafouer ces valeurs parce que ce sont des choses qui comptent pour elle. Une fois que vous avez compris vraiment ce qui compte pour vous comme valeur, que vous les avez choisi de les incarner, bien avant même avant d'avoir rencontré cette personne entre tout simplement dans le cadre de ce que vous avez déjà établi comme fidélité et forcément, votre attitude qui accompagne votre relation va dans le sens de rester fidèle également à cette personne-là. Parce que choisir quelqu'un pour parcourir le chemin sur cette terre, pour faire votre vie ici-bas, ce n'est pas un choix anodin. Et c'est un choix qui doit se faire en conscience. Mais qu'est-ce qu'on a fait soi-même pour incarner cette fidélité-là que l'on recherchait? Où est-ce qu'on a placé la barre pour pouvoir incarner ce qu'on exigeait à l'autre de pouvoir être? Où est-ce qu'on a placé la barre pour pouvoir être l'exemple que l'on voudrait montrer pour pouvoir attirer à soi ce que l'on recherche? Où est-ce qu'on a soi-même placé la barre dans son attitude passée et actuelle pour pouvoir mériter d'avoir une personne qui reconnaît cette barre-là, qui reconnaît ces valeurs que l'on a choisies à ses justes, à leur juste valeur, c'est le cas de le dire en fait, c'est un peu une répétition. Je ne dis pas que cela suffit pour que vous n'alliez pas voir ailleurs quand vous êtes avec votre partenaire. Il y a des précautions à prendre également quand vous êtes dans une relation. Si vous êtes dans une relation et vous pensez que parce que vous êtes fidèle à vos valeurs et que vous êtes fidèle à votre sens de la vie et tout, vous pensez que tout le monde autour de vous pense comme ça et que vous pouvez vous exposer comme vous voulez, sachez que vous n'êtes pas infaillible, vous n'êtes pas un surhomme. Il faut éviter de vous retrouver dans des situations qui pourraient suggérer de l'intimité ou qui pourraient suggérer de la séduction vis-à-vis d'une personne qui n'est pas votre partenaire. Vous êtes en couple aujourd'hui. Évitez de vous retrouver dans des tête-à-tête séduisants qui pourraient vous induire en erreur pour que vous puissiez baisser la garde ou que vous disiez « bon oui, l'autre sait que moi je ne ferai pas ça, donc elle ne sert à rien ou il ne sert à rien ». Foutaise. Vous devez être suffisamment vigilant, être vigilant pour vous et pour l'autre. Oui, c'est bien d'avoir des valeurs, de ne pas marchander ses valeurs contre quoi que ce soit, mais il faut aussi concrètement dans la vie de tous les jours faire attention. Donc, évitez les tête-à-tête séduisants, évitez les situations qui peuvent vous induire en erreur. Évitez de vous mettre vous-même dans de beaux draps. Évitez les situations ambiguës, évitez les situations compromettantes, évitez vous-même de créer des situations et ne vous mettez pas dans la tête des autres en vous disant que les autres savent que vous êtes en couple ou que les autres savent que vous êtes mariés et donc ne tenteront rien. Vous devez être vigilant
pour vous et pour les autres. La fidélité touche tous les domaines de la vie et le domaine du couple n'étant en fait qu'un adjuvant de tous ces domaines-là. L'autre ne rentre que dans le cadre et vient profiter. À côté de cela, vous faites attention à ne pas créer des situations ambiguës et des situations qui pourraient prêter à confusion en gardant vos distances et en vous comportant de façon respectueuse et respectable dans la vie par rapport aux autres. C'est ça le petit clin d'œil que je voulais vous faire concernant ce concept de fidélité pour dire que ce n'est pas juste lié à une personne. La fidélité, c'est une notion beaucoup plus élevée, beaucoup plus globale et qui englobe votre couple. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas et à partager la vidéo si elle vous a parlé. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.